Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de Métro 2033 Redux. Pour vous rappeler où nous nous sommes arrêtés, et bien tout simplement, nous étions en train, on était dans un guet-apens, hein. Dans le dernier épisode, on était dans un guet-apens, on s'est fait, on a fait la guerre un petit peu avec les fachos. Mais on s'est retrouvé face à une sorte de dragon, un truc comme ça, et je ne sais pas comment l'affronter. Et merci beaucoup parce que vous ne m'avez pas aidé en commentaire. Vous n'aviez pas d'astuces. Donc on va se débrouiller avec les moyens du bord. En tout cas, les amis, c'est parti. Je retournais de nouveau à la surface et retrouvais le charme sinistre d'un Moscou apocalyptique. On m'avait averti à la brèche qu'un nouveau groupe de Rangers fachos était apparu. Mais j'étais décidé à respecter la dernière volonté du commandant et à transmettre son message à police. Bon, va-t-on y arriver? Telle est la question, je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir, les amis. Ok, nous sommes bel et bien au même endroit. Et donc, nous sommes face ici directement à ce fameux dragon. Il est où? Là, juste là, vous le voyez, il est beau, hein. Je sais pas si on peut appeler ça un dragon. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va changer de stratégie et on va y aller directement. Dans tous les cas, on est déjà mort, donc... Et ben voilà! On va essayer d'y aller discrètement. Attendez. Il doit bien y avoir un moyen. Parce que si je lui tire pas dessus, il me verra pas. Mais oui. Ah. Vous pensez qu'il m'a vu? Et ben voilà. Ah. Alors je viens de me faire piéger. C'est pas grave. Au moins je suis safe. C'est vrai, j'avais pas pensé à faire ça. En fait, on va essayer de rester discret, tout simplement. Alors, les fachos étaient impatients d'en finir avec les défenseurs de la station maudite. Pas question pour eux d'attendre que les animaux s'en chargent à leur place. Certes, ils ont besoin de cette station, de son espace vital, mais avec qui comptent-ils occuper le territoire ainsi libéré? Les naissances sont rares dans le métro et les enfants qui atteignent l'âge adulte le sont encore davantage. C'est très triste. Sukhoi m'a dit un jour que la seule ville de Moscou abritait autrefois 15 millions de personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes guère plus que 50 000 dans le métro. C'est déjà pas mal, hein. Ah oui, justement, il y a encore plus de personnes dans les métros que tout ce qu'il y avait. Ok, normalement, c'est pas possible. 15 millions, 50 000. Ah non, il y en a moins. J'ai rien dit. Je me disais, c'était pas cohérent. Et peut-être même sur toute la planète. Et nous continuons à nous massacrer avec abandon, comme si nous étions encore des millions. Les 6 milliards d'individus qui peuplaient autrefois la Terre ne sont plus que des cendres. Ils crissent sous nos bottes, se mélangent au sable, à la neige ou à la poussière, et nous les arrosons généreusement avec notre propre sang, comme si nous avions l'espoir de faire pousser une quelconque plante sur ce sol maudit. On va vraiment partir sur un coup de gueule à la fin de ce let's play, hein. Sur un coup de gueule sur le vrai monde qui nous entoure, parce que clairement ça fait des belles références et ça va pas être jojo. Bon, alors on a le dragon qui nous tourne autour à l'extérieur et il sait que je suis là, hein. Mais je me sens safe pour le coup, je me sens safe ici. On a déclenché les pièges, donc on devrait plus avoir trop de problèmes. Là, un petit cadavre, bonjour monsieur. On récupère les munitions, bien évidemment. Alors, n'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Très important, c'est pas une série qui est très regardée. Donc, si vous êtes là et que vous regardez cet épisode, merci pour votre soutien avec le petit like. Et le petit commentaire qui fait plaisir. Alors... Je ne sais pas où je dois aller. J'essaie de me mettre à l'abri comme je peux, hein. Qu'est-ce qu'on a là? La radio! Pour passer le message! On y est! Les tunnels. Le
énorme. On a accompli notre mission, les gars. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On a accompli la mission là, non? On vient de diffuser le message. On vient de diffuser le message aux radios là. Attendez, je vais éteindre. Ouais, il me tourne autour. Je vais éteindre la lumière. On va essayer de rester le plus discret possible. Qu'est-ce que je dois faire? Il est totalement venu sur moi là. Je vais redescendre, me mettre à l'abri. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un objectif écrit à quelque part? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais pas essayer de le buter quand même. Bon, j'ai passé le message. Waouh. Vous avez vu qu'il a, il a voulu me choper là, hein. C'est pas une blague, hein. Il a voulu me choper là, hein. Il est venu vers moi, hein. Oh là là. Où est-ce que je dois aller? J'ai passé le message, mais je sais plus ce que je dois faire. Bah, je redescends. Je redescends, les amis. Moi, j'ai passé mon message, en vrai. Est-ce que je reviendrai pas à l'entrée du métro? En fait, est-ce que je vais pas redescendre? En vrai... Alors... Dans la vraie vie, c'est ce que j'aurais fait. Donc, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire. Je vais redescendre. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais très sincèrement... c'est par où qu'on va? Très sincèrement, j'ai... Bon, il va rien me faire de là. J'ai passé mon message à la radio, les gars. Maintenant, je vais retourner en zone safe. C'est par où, là, hein? Comment on fait? Let's go, let's go. Là. Hop. Je me suis un peu cassé le pied, hein. Allez. On descend et on retourne ici. J'espère que c'est ça qu'il faut faire, hein. Là, on a buté tout le monde, de toute façon. Donc, on est safe. On risque pas grand-chose. Tiens, j'avais pas vu ici. Il y avait une petite cabane. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh! Une nouvelle cartouche. Et là, il y a rien. Vas-y, j'y retourne. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors, manifestement... Manifestement, c'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, les amis, je vois pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne vois pas où on doit aller. On va remonter. Je vous fais une ellipse, c'est le temps de remonter. À tout de suite. Bon, les gars, faut arrêter de se foutre de ma gueule. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Ils font des cuts de partout. On sait même pas où il faut aller. Et ça n'a aucun sens. Alors, on va descendre. Eh ouais, faudrait aller là. Faudrait aller là. Mais là, j'ai déjà buté tout le monde. J'ai mal exploré alors. Apparemment j'ai mal exploré. Attendez. Mais non. Par là. Ouais. Ouais, bah y'a rien. Voilà, y'a rien, c'est de là que je... Non mais les gars, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Là c'est de là qu'on vient. Ouais, mais j'étais déjà là. J'étais déjà là, les gars. C'est simple. J'ai buté tout le monde. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah. Un sac de munitions. On peut pas aller là. Vas-y. Je descends les escaliers. Je sais pas où je suis.
Hein? Oh putain. Alors là les gars, retournement de situation. Vas-y, viens voir. Ah non, je suis tout seul. Bah j'ai pas bougé, je suis là. Hein. Oh là là. Allez, venez voir. Oh, il est pas touché, il est mort. Venez, vengez-le, venez, venez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Comment j'ai fait pour pas trouver cet endroit? Il est bien planqué, hein? Bon, je garde la lumière éteinte, les gars. Par souci de... bah, de discrétion. Ok. J'allume quand même pour un peu... Hop. Ok. Je crois que c'est bon. Ah ouais, on peut sortir là. T'es sérieux? Il m'a empêché de sauter là? Alors que c'était ça qu'il fallait faire? Je suis dégoûté les gars, j'ai perdu tellement de temps. Je vous aurais fait des cuts. Mais je suis dégoûté de... C'est... Enfin franchement, c'est tellement caché. Comment tu pouvais savoir qu'il fallait aller là? Oh, un pied de biche. Je peux pas le prendre. Ah ok, c'est pour arrêter leur musique à la con là. Leur musique de facho. On a le plan des métros. Ok. Ça, je peux pas ouvrir. Tant pis. On trouvera peut-être quelque chose. Ah, ils ont encore une autre arme. Oh, ça peut être intéressant aussi, hein. On va rester avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Bon, je suis quand même content de réussir à avancer, les gars, parce qu'à un moment donné... Bonjour. Y'a rien, hein. Y'a rien à récupérer. C'est fort dommage. Ok. Hop. Là, c'est de là que je viens. On récupère vraiment toutes les munitions qu'on peut, hein. Clairement, les gars. Pas de gâchis, pas de chichi. Y a pas un truc à récupérer, là, pour ouvrir le machin? Non, visiblement, j'ai tout fait. Bon, bah, on va sortir, les gars. On va sortir directement, et puis... let's go. Il y a de la lumière sur nous.
Ah, il me tire dessus là. C'est pas gentil les gars de... d'être méchant. Ouah, ils envoient des grenades. Non. Gros, ils ont envoyé un mastodonte. Oh, il y a deux dragons. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Oh, je suis pas bien les gars, je suis pas bien du tout là. On va essayer de se faire discret. Hein. En plus, il n'y a aucun point de sauvegarde. Bon, on va descendre directement là. Hein. Ça y est. Waouh! Bon les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode très clairement. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde!